Dans cette vidéo, je vais te montrer comment gagner 30 dollars encore et encore sur la plateforme userinterview.com. Sur cette plateforme, ce qui se passe, c'est que les gens viennent publier des études, des établissements, des entreprises, des universités qui font des recherches, viennent publier des annonces pour interviewer des gens dans leur domaine, des interviews des experts qu'ils payent par minute ou par heure. La plupart de ces annonces concernent les gens qui habitent aux États-Unis parce qu'on leur demande de répondre à des interviews. On paye par exemple ici 300 dollars pour remplir ses taxes par exemple. Il y a des annonces de plusieurs types. Certains cherchent des experts dans le domaine de la programmation, d'autres c'est des médecins. En fait, ce sont des gens qui innovent soit des produits, soit qui travaillent sur des recherches. Il y en a même qui travaillent sur leur thèse de doctorat et qui recherchent des personnes pour faire ces études-là. Mais nous, dans cette vidéo, nous n'allons pas accorder des interviews puisque la plupart d'entre nous ne sommes pas américains ou bien nous ne nous débrouillons pas très bien en anglais. Mais comment on va gagner de l'argent alors sur cette plateforme? C'est en partageant ces annonces-là aux gens que ça peut intéresser et qui sont aux États-Unis et qui ont la compétence et l'expertise requises dans cette étude-là. Donc, vous voyez ici, ces gens seront payés 40 dollars pour 30 minutes, 100 dollars pour 1 heure, 20 dollars pour 1 heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les meilleures offres que nous allons partager sur d'autres plateformes que je vais vous montrer tout à l'heure. On va donc trouver là-bas sur ces plateformes-là, ce sont des plateformes des annonces, les gens qui recherchent du travail dans plusieurs domaines. Nous, on va publier notre offre et dès que les gens vont cliquer nos liens, ils viendront s'inscrire sur la plateforme et répondre à ces questions. Nous, on gagne de l'argent. Pour trouver les offres les plus intéressantes, on peut soit parcourir toute la ligne et voir celles qui payent le plus, ou bien on va trier ici, on va trier par incentive highest, ce qui veut dire les plus payants. Voilà, on a cette offre qui paye 350 dollars pour 45 minutes d'interview. On voit ici, on nous dit que pour faire cette interview, il faut un ordinateur et une webcam. On va essayer de lire un peu, voilà l'offre. Il y a la description, il y a le montant. Donc quand la personne va venir, elle va lire tout cela et cliquer, c'est juste sur Apply to Participate. Nous, on nous dit ici, on peut référer un ami, on lui donne 30 dollars en plus des 350 dollars qu'il va gagner. Et nous, on va aussi obtenir 30 dollars. Tout ce qu'on va faire, c'est copier ce lien-là. Une fois que nous avons copié notre lien affilié, nous allons nous rendre sur le site mymediaads.com. C'est un site qui permet de publier des annonces gratuitement, qu'on soit vendeur ou bien acheteur. Vous voyez ici Marketing Ads et les Job Ads. Ça veut dire que si on a quelque chose à vendre, on publie dans Marketing Ads. Si on a un travail à offrir, on publie sur Job Ads. C'est une plateforme gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Join. Vous remplissez votre email, votre mot de passe, vous confirmez et vous vous enregistrez. C'est aussi simple que ça. Moi, comme j'ai mon compte, je vais cliquer et je me connecte. Voilà, une fois connecté, vous voyez donc qu'il y a des gens qui ont publié. Cette personne a publié il y a 2 heures. Il a 17 000 vues. Celui-ci, il y a 2 heures, c'est 757 personnes qui ont vu sa publication. Ainsi de suite. Donc, sur la plateforme, il y a beaucoup de trafic. Comme ces gens, on va nous aussi publier notre offre et attendre que les gens viennent cliquer juste dessus pour aller s'inscrire pour nous permettre de gagner 30 dollars. On clique sur Post New Ad. Ici, on a Marketing Ad. Si on a quelque chose à promouvoir, comme par exemple les applications, les formations, les offres d'affiliate marketing, on publie ici. Mais ici, nous,
C'est comme un travail qu'on offre à quelqu'un, même si c'est momentané. On va cliquer Job Ad. On clique ici. Maintenant, comme c'est nous qui offrons le service, on va dire Offer a job. On ne clique pas Find job. Notre position, on va cliquer ici. On choisit n'importe quoi. Maintenant, on va cibler un pays. On va taper United States pour cibler les États-Unis. Le sujet de la conversation de notre publication. Maintenant, on va revenir sur User Interview. On clique, on copie le titre de la publication ici. On revient sur My Media Ads. On colle le message ou la description. Maintenant, on retourne encore ici sur My User Interview. On copie tout cela. On revient coller ici. On essaye d'espacer un peu pour que ça soit lisible et pas ennuyeux. Et ici, maintenant, on écrit ici Get the job. On met ici, on retourne sur User Interview, on copie notre lien, on revient coller. On voit que ce lien est très long et très moche. On va l'annuler. On part sur le site bit.ly.com. On part raccourcir ce lien-là et on revient le publier. Voilà, on crée un lien ici. On colle notre long lien. Et puis on clique sur Create. On a notre lien court maintenant. On le copie. On revient ici. Et on colle le lien. Et tout est bon. Maintenant, on clique seulement Post My Ad. Notre publicité a été bel et bien publiée. Voilà, maintenant, à chaque fois que les gens viendront lire l'offre, ils cliquent ici. S'ils cliquent ici, ils atterrissent là. Ils vont lire et maintenant on vous montre que c'est telle personne qui vous a référé et vous allez même obtenir 30 dollars supplémentaires. Voilà, ça c'est bon. Maintenant pour aller un peu plus loin, on peut aller sur Google et taper My Media. My Media Ads Alternative. L'idée ici, c'est de trouver d'autres sites web qui offrent les mêmes services, qui nous permettent de publier des annonces gratuitement pour toucher plusieurs mondes, plusieurs personnes, et comme ça, on puisse faire beaucoup d'argent. Ici, cet article nous montre les 73 meilleurs sites web comme mymediaads.com. Quand on va entrer, on va trouver une liste de plusieurs sites web sur lesquels on va s'inscrire. Voilà, on nous dit qu'il y a AdsWikita, AdsWikia.com aussi. On peut le faire MyAdNote également. Donc, il n'y a pas, pour ne pas trop prolonger la vidéo, je ne vais pas m'inscrire sur tous ces sites web-là pour vous les montrer. Je vous fais confiance, allez essayer, publier et tenter votre chance pour voir ce que ça va donner. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette autre vidéo que j'ai réalisée sur ma tablette. J'ai quelques soucis d'électricité chez moi au Cameroun en cette période de saison sèche, donc vous allez excuser peut-être si la vidéo n'est pas de bonne qualité. Souffrez de comprendre, c'est la seule option que j'ai trouvée pour vous envoyer de nouvelles astuces tous les jours. À la prochaine vidéo.